Ok, preuve Calvitie, on est le 30 janvier, il est 20h10, j'ai publié ma vidéo de cet après-midi. Bon. Je vais vraiment finir par croire en Dieu avec cette connerie là, parce que ma guérison miracle là, bon voilà, c'est vraiment un miracle, et puis ça fait bon voilà, des mois que ça dure. J'ai vraiment retrouvé une santé, une peau, un corps, un organisme vraiment. Je me sens vraiment super bien, et même en faisant le massage. Et en fait, là, je suis plus vraiment en haut, je suis devant en fait. Hein. Ça fait toute une patte comme ça qui monte. Et comme c'est relié à tout le corps, bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau toute neuve, d'avoir un corps tout neuf. C'est vraiment bizarre. Enfin, ça grimpe même. Et puis bah là je vous montre, donc il n'y a plus de, comment dire, je suis, au début j'arrive en haut, puis ça monte, ça monte, ça monte, et puis là en fait je tasse, ça presse, et puis je suis surtout devant en fait, ça se fait devant, comme ça, bon ça dépend à quel niveau du cycle il est, s'il est en bas ou en haut, parce que ça pompe, hein. Je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est une pompe. Bah là on va regarder ensemble. Déjà bon, il y a du cheveu en permanence, puis il sort à chaque fois, il sort. C'est comme s'il gagnait à chaque fois que la pompe elle s'actionne, il doit gagner, je sais pas, un demi-millimètre, c'est vraiment laborieux, c'est tout. Un demi-millimètre, c'est pas grand chose. Hein. On va dire un demi-millimètre toutes les 20 minutes, toutes les heures, ou je sais pas. Pas ce qui se passe, parce qu'en fait bon ici toute cette partie là au milieu c'est le cycle des, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son cycle là, au début il commençait par faire le tourbillon. Au début je les voyais apparaître en direct, hein, les cheveux, hein, le tout début. Je crois que j'ai dû faire une vidéo ou deux pour filmer ça. Et puis là en fait c'est comme c'est la fin, moi je pense que c'est la raie qu'on a tous, on a une raie naturelle. Et ça repart vers l'intérieur. Je pense petit à petit ça va se resserrer, resserrer, resserrer. Ou alors ça va pousser, pousser. Parce qu'à chaque fois qu'il se resserre, il y a de plus en plus de duvet. Ça fait un duvet en fait. Ça fait un petit duvet. Donc, on va regarder ensemble. Et il doit y avoir des stries là comme ça. Donc voilà, en fait c'est les convolutions qui. Parce qu'au début ça rentrait là, comme ça m'a baissé le crâne, ça rentrait devant. Enfin, je vis vraiment une expérience physique. Voilà, c'est une expérience sur le corps humain, et ça me perturbe quand même, quoi. Je vis quelque chose qui est, ouais, que j'ai jamais connu jusqu'à maintenant, et puis je crois qu'aucun humain n'a connu jusqu'à présent, quoi, de vivre ce genre d'expérience physique. Donc je suis content quand même, parce que ça se voit. Puis j'arrive vraiment à la fin, au moment où je me fais expulser. Donc si j'arrive à gratter encore une semaine avant qu'il vienne. Si... Mon angoisse c'est qu'ils viennent avec la gendarmerie, la police, et qu'ils ne tiennent pas parole en fait. Parce qu'ils m'avaient dit qu'ils viendraient sans. Mon angoisse c'est qu'ils viennent avec la gendarmerie, la police. Mais s'ils viennent sans... Ça me laisse encore peut-être une petite semaine, ou je sais pas combien de temps ils vont mettre pour s'organiser. Et bon, le but c'est que j'ai vraiment tous mes cheveux. Hein. Et bon, j'utilise la police, hein, comme témoin justement. Je leur montre à chaque fois, je leur en parle. Hein. J'ai fait une vidéo dessus où ils s'arrêtent au milieu de la route pour me tirer les verres du nez, avoir des infos. Pour me voler ma découverte. Voilà, je vous utilise comme témoin aussi. Je peux vous dire que là, le jour où j'aurai tous mes cheveux là devant comme ça, tout, eh ben on pourra sabrer le champagne, et puis on va pouvoir faire une, je sais pas, hein, mais ça va être la fête, hein, j'espère. Et puis bon, moi en fait c'est pas vraiment ma... Enfin, après moi je suis content de guérir, d'être en bonne santé, mais c'est surtout pour moi la vraie victoire, ce serait de reconnaître mes travaux
mathématique et philosophique. Voilà, prof Calvitie au 30 janvier 2022, il est 20h15 et je vous souhaite voilà, un voyant.